Thank you.
Amen. 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 Si vous vous asseoir, je demanderai aux petits de venir pour la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a dit de laisser pouvoir à moi les petits enfants. Alors. Amen. Hallelujah.
toi, Louise. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus, la puissance, la manifestation au milieu des tiens, Seigneur. Oui, tu l'as dit dans Joël, Seigneur, avant que ton jour n'arrive, Seigneur. Tu déverserais cette bénédiction sur ton peuple, Seigneur. Nous accélérons par la foi, Seigneur, dans la joie du Seigneur. Partager la parole de notre Dieu. Combien nous sommes heureux parce que
Nous pouvons nous rassembler en son nom, comme la Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères qui demeuraient ensemble. C'est là que le Seigneur, notre Dieu, bénisse donne sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous sommes rassemblés pour un but, parce que nous voulons tous de tout notre cœur le louer et aussi d'entendre aussi à ce qu'il puisse nous apprendre comment marcher avec lui, comment lui être réellement agréable. Parce que c'est à cela réellement qu'il nous a aussi appelés à pouvoir marcher avec lui. Comme la Bible dit, il est le bon berger. Amen. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il a dit, mes brebis entendront ma voix. Amen. Ils ne suivent pas la voix des étrangers. Nous voulons entendre cette voix de notre bon berger. Amen. Et nous voulons simplement le suivre parce qu'il a dit, je suis le chemin. La vérité et la vie. Il est le chemin, nous devons être dans ce chemin pour que nous ayons l'assurance de ce que nous arriverons certainement au bon port. Comme la Bible l'a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné certainement son Fils unique, afin qu'il comprenne en lui les périls ce point et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et cette vie éternelle est dans son Fils. C'est lui qui a le Fils, a donné la vie. Amen. Nous voulons réellement le posséder, nous voulons qu'il puisse aussi nous posséder. Pour que nous puissions vraiment marcher avec lui. Que son Seigneur soit béni. Amen. Et la grâce qu'il nous accorde ce matin. Je voudrais juste que nous levions, que nous prenions une portion de l'écriture dans le livre de Thessaloniciens 2. Thessaloniciens 2. Je voudrais aussi remercier mon frère Daniel pour venir nous chercher. C'est Dieu qui nous a dit ce matin. Je vous remercie et pardonnez-nous pour le retard parce qu'il fallait passer par notre frère pour le venir aussi. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc, c'est un peu Thessaloniciens. C'est le début de l'époque. 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était déjà là. Amen. Précieux de savoir béni, je voudrais vous dire encore merci ce matin. Grâce pour moi, Seigneur, de me retrouver ici dans ces lieux, de pouvoir aussi voir ton peuple, mes frères et sœurs, aussi peut-être ici dans cet endroit, avec mes serviteurs, avec mes frères, dans cet endroit, mes serviteurs, et aussi mon peuple, Père, de pouvoir avoir la grâce, de pouvoir avoir la gloire de Dieu, de conduire ici, Seigneur, au travers de ta parole. Bénis mon frère Daniel, bénis les conducteurs de chant, bénis chaque frère, bénis la chorale, Père, mon Dieu, quelle joie pour nous de pouvoir entendre ce chant et les enfants, nous avons dit merci, nous avons dit, voici aussi l'exemple, nous devons te chanter, Père, louange, honneur à toi, donne-nous la grâce pour t'entendre encore ce matin, en l'heure de cette prière, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et au même instant, je retrouvais la vue, et je regardais. Et il dit,
le Dieu de nos pères, t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche, car tu serviras l'éternel auprès de tous les hommes, les choses que tu as vues et entendues. Amen. Donc c'était assez clair, le but pour lequel le Seigneur lui-même l'avait appelé et aussi avait établi aussi dans le service. Parce que, comme le Seigneur a dit tout à l'heure dans cette écriture, les choses qu'il aurait entendues, qu'il devait aussi arriver à pouvoir apporter au peuple de Dieu. Et il a eu la grâce de pouvoir recevoir. Et il est dit aussi clairement dans les Saintes Écritures, afin que le peuple de Dieu ait l'assurance que la parole qu'il aurait apportée, ce n'est pas en suivant des fables ou des imaginations des hommes, comme cet homme de Dieu aussi est ici dans le livre de Luc, qui dit, afin que tu aies l'assurance des choses que, je voulais dire, c'était dans Luc au chapitre 1, il dit, verset 1 dit, plusieurs ayant donc entrepris de proposer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole, qui m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus à nous. Donc il fallait qu'il ait l'assurance que les enseignements qu'il a reçus, effectivement, n'étaient pas les choses qui venaient à l'imagination des hommes, mais c'était réellement la parole de Dieu. C'est une parole qui venait réellement du Seigneur. Et c'est comme cela que l'apôtre Paul, le même, puis encore ici dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, au chapitre 10, je pense, quelque chose comme ça, chapitre 11, je pense, c'est ça. Les Corinthiens, chapitre 11, verset 23, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, il voulait effectivement que le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, effectivement, puisse réellement avoir l'assurance de la parole qu'il leur est apportée, afin qu'ils aient cette foi dans la parole. Parce que si ce n'est pas la parole des hommes, et que c'est la parole de Dieu, il est donc digne d'être reçu et d'être cru. Et c'est cela ce qu'il nous dit encore ici, je pense, dans le livre de Thessaloniciens. Je voudrais que nous lisions avec vous ici aussi, 1 Thessaloniciens chapitre 2. Avec les votes Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, il nous dit. C'est pourquoi nous rendons premièrement grâce à Dieu. Et c'est qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Donc il était nécessaire que le peuple de Dieu ait l'assurance que ce que Paul leur apportait n'était pas l'imagination de Paul, mais c'était la parole de Dieu en vérité, parce que si c'est la parole de Dieu, elle doit avoir son action dans celui qui croit. Parce que la Bible dit que c'est uniquement dans la parole de Dieu que se trouve donc la vie. Alors cet homme pouvait leur dire effectivement que, non, il dit, mais ce que je vous ai annoncé, la parole que je vous ai annoncée, n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça donne la galère, vous savez cela, effectivement. C'était en fait que ceux qui pouvaient écouter en réalité puissent avoir réellement la science. Et il est rappelé en fait en disant, mais souvenez-vous comment j'étais auparavant, j'étais scellé dans les traditions de mes pères, effectivement, et j'ai persécuté à outrance même l'Église. Mais quand il a plu à celui qui m'avait mis à part de l'essence de ma mère, de révéler à moi son fils, je puis apporter la parole de Dieu, parce que cela n'était pas la parole que moi je puis prendre effectivement de mon tête, mais que le Seigneur m'a apporté la grâce de pouvoir l'avoir. C'est ainsi que dans cette écriture, que nous venons lire effectivement, nous devons prêter attention lorsque nous venons lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1, dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, ce matin, si nous sommes ainsi rassemblés en cet endroit, c'est parce que chacun de nous a la conscience de quelque chose qui va se passer.
Parce que nous sommes là pas pour rien, mais parce qu'en fait, il y a quelque chose dont on a entendu parler. Est-ce qu'on a réellement entendu parler? Et pourquoi nous sommes rassemblés là? C'est parce qu'il y a une promesse qui avait été faite. Et celui qui avait fait la promesse, ce n'était pas un apôtre. Ce n'était pas un prophète, c'était le Seigneur lui-même. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et ce matin, nous sommes rassemblés ici, parce que chacun de nous a cette espérance et la foi, et réellement que le Seigneur a fait cette promesse. Et comme il a fait la promesse, il est aussi capable de pouvoir la tenir aussi. Et qu'attention, il faut bien que nous puissions voir dans les Saintes Écritures, nous réalisons cela, cette promesse en Jean 14, pour que nous puissions comprendre à qui cela est adressé, il y a des liens. Jean 14. Verset 1 dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Donc remarquez très bien, c'est assez clair, que la promesse qui a été faite ici n'est pas faite à tout le monde. Cette promesse qui a été faite ici, ce n'est pas adressée à tout le monde. La promesse n'a été adressée qu'aux seuls disciples du Seigneur. Et c'est seulement à cela que le Seigneur lui-même a appelé. Parce que Pierre, c'est le Seigneur qui l'a appelé. Jean, c'est le Seigneur qui l'a appelé. Ainsi et sinon, tous les disciples. Chacun d'eux a été appelé du Seigneur. Il dit, toi, viens, suis-moi. Et ils sont devenus disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et il appelait même le maître, a dit. Donc, le maître avait ses disciples qui écoutaient effectivement très bien ce que le maître disait et qui mettaient en pratique ce que le maître disait. Donc, un disciple est soumis au maître. Donc, c'est à cela, effectivement, que le Seigneur a eu à pouvoir faire réellement cette promesse en disant, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, effectivement, je reviendrai pouvoir vous chercher. Et aussi ce matin, nous sommes rassemblés en cet endroit, et nous croyons, effectivement, que cette promesse aussi nous appartient. Et pour que la promesse en question nous appartienne, il faut qu'on soit sur la même base que sur laquelle la promesse avait été faite. Il n'était pas disciple d'un homme, mais il était disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous fait savoir effectivement que, oui, comme ils étaient disciples, et ils suivaient le maître. Et c'est la même chose aussi, parce que le maître a dit aussi dans les Saintes Écritures, dans Jean chapitre 10, il dit, regardez bien, Jean chapitre 10, regardez très bien, il nous dit ici, verset 1, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il le conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Amen. Donc nous voyons ici que la parole de Dieu, le Seigneur, dit que lui, il est le bon berger. Amen. Et le bon berger appelle ses brebis. Et c'est lui qui les appelle par leur nom. De la même manière qu'il a aussi appelé Jean, Thomas, etc. Donc il les appelait qu'il puisse être ses disciples. Toi, viens et suis-moi. Alors de la même manière aussi que le Seigneur doit aussi nous appeler. Chaque homme et chaque femme sur la terre. S'il va faire partie effectivement des disciples du Seigneur, il doit entendre le Seigneur l'appeler. Amen. Pour que tu sois son disciple, il faut qu'il t'appelle. Amen. Il faut qu'il te connaisse. Amen. Il t'appelle effectivement, alors à ce moment-là, tu sais qui t'a appelé. À qui tu dois appartenir effectivement, avec qui tu dois marcher. Parce qu'il dit, je les appelle par leur nom, mm-hmm. Et ils entendent ma voix, je le fais sortir. Dans différents endroits où vous étiez, vous deviez avoir entendu la voix du Seigneur pour sortir. Autrement, frères et sœurs, vous avez suivi un homme. Si vous avez suivi un homme, vous finirez par les disciples de cet homme. Mais si c'est le Seigneur que vous avez entendu, vous avez fait sortir effectivement, alors il est le bon berger pour toi. Il est maintenant ton maître à toi, il te conduira. Il dit, je le ferai sortir et je le conduirai. Il dit, je marcherai devant elle. Et mes bébés me suivent effectivement. Ils connaissent la voie du bon berger. Ils ne jouent pas la voix étrangère. Donc c'est à cela, effectivement, que, puisqu'il est leur maître, puisqu'il est leur berger, donc c'est à cela, en réalité, que le Seigneur a fait la promesse. Parce qu'une
pas où elle est. C'est sûr et certain. C'est lui qui s'est conduit tout seul, c'est un bout. Mais le brebis a besoin de son berger. Il doit réellement lui montrer les chemins. Ça peut dire, je suis le chemin. Vous savez où je vais, je suis le chemin. Donc la brebis doit suivre effectivement le chemin que le maître a tracé. Et le maître dit, je suis le chemin. Alors cette brebis, effectivement, s'accrochant à son maître, qu'est-ce qu'elle a? Elle dépend totalement du maître. C'est sûr et certain. Elle n'est pas indépendante, non. Elle est dépendante du berger. Elle est dépendante du Seigneur. Ainsi donc, cette promesse, effectivement, qu'il a fait, dit, je viendrai vous chercher, il a fait à ses brebis. Il a fait cela à ses disciples. Maintenant, la question qu'on va se poser ce matin, de quelle brebis, de laquelle bergerie, effectivement, appartenez-vous? Qui est réellement votre berger? Si c'est le Seigneur, alors la promesse qui était dite effectivement est la vôtre. Si elle est vôtre, effectivement, alors on devient attentif. À quoi? À ce que c'est le Seigneur en question. Puisqu'il a fait la promesse en disant, oui, vous savez, quand il a parlé cela dans les scènes d'Écriture, les actes, effectivement, la Bible dit, après avoir donné effectivement ses paroles à parler à ses disciples, et il fut donc enlevé, et il est monté en fait au ciel. Et pendant qu'il était monté, nous attendons effectivement que les disciples avaient les yeux braqués dessus. Sur l'abside pendant qu'il montait, lieu de rebat. Et la Bible dit que oui, des hommes vêtus de blanc leur apparaissent effectivement. Qu'est-ce qu'il leur dit? Regardez bien. Acte 1, verset 9, il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée de rebat à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparaissent et dirent, hommes d'ailleurs, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui est enlevé au ciel, divinez-vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Donc, ils avaient déjà encore la confirmation que ce même Jésus qui est monté comme ça, il reviendra de la même manière. Pourquoi? Mais pour chercher ses brebis. Pourquoi? Pour chercher ses propres disciples. Il a dit qu'il ne prendra pas les brebis de quelqu'un d'autre. Il vient simplement pour chercher ses propres brebis à lui. Donc, chacun de nous doit être conscient de la position qu'il a effectivement devant la face du Seigneur et ce que le Seigneur a fait de lui. C'est ainsi que, dans les actes, dans les faits qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, cet homme de Dieu nous parle en disant, parlant effectivement, il est très bien, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute en disant, écoutez bien, pour que nous comprenions à qui est-ce que cela s'adresse. Pour que nous sachions effectivement pourquoi cela est écrit. Parce que si nous sommes de ceux-là auxquels la promesse avait été faite, nous nous sentirons concernés par tout ce qui concerne le Seigneur Jésus, ce que lui a promis, ce qu'il a dit de pouvoir faire, et ce qu'il est en train de pouvoir faire, et ce qu'il fera. Parce qu'il a dit effectivement, je m'en vais, certainement c'est vrai, mais je ne vous laisserai pas orphelin. À qui s'adresse-t-il? Toujours d'ici. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous ramènerai le consolateur. Un peu plus long, on comprend, il dit, mais je viendrai à vous. Donc le consommateur en question, c'est lui-même. Amen. Donc les disciples doivent savoir qu'effectivement que le maître est parti, mais il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Pourquoi? Mais pour toujours conduire les disciples. Amen. Pour conduire effectivement ses brebis, effectivement, et continuer à pouvoir les enseigner. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui a les oreilles. Entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit, pour continuer à pouvoir parler, pour continuer à pouvoir conduire, effectivement, et ainsi à garder son peuple, effectivement, dans la voie. Alors nous entendons, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, nous qui l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur personnel, c'est pas tout le monde, mais ce sont là qui ont réalisé qu'il est réellement Seigneur. La Bible dit, personne. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que sinon, on repère ce que l'autre a dit. Amen. Mais lorsque nous l'avons reçu, lorsque nous avons cru en lui qu'il est venu en nous, nous avons expérimenté qui il est, nous savons qu'il est le Seigneur. Amen. Ça veut dire quoi? Qu'il est l'unique et véritable Dieu. Amen. Voyez ce qu'il dit au peuple d'Israël. Écoute, toi, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Dieu. Amen. Donc nous reconnaissons quand on dit qu'il est Seigneur. Et c'est pour ça que la Bible nous montre effectivement que lorsque les jours de la Pentecôte, effectivement, qui est la parole de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, beaucoup de gens étaient là à Jérusalem, effectivement. Et cet homme, Pierre, effectivement, s'est tenu debout.
Il a commencé à porter la parole de Dieu et a tellement conduit par le Saint-Esprit, démontrant comment le Seigneur des Pétans va servir de parler de la mort de Christ et sa résurrection. Et puis il dit que toute la maison d'Israël sache. Qu'est-ce qu'il va savoir? Il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude de quoi? Que Dieu a fait, c'est Jésus. Qui ça? Regardez bien. Acte chapitre 2, regardez bien. Et c'est important ça. Verset 30 en avant. Acte 2, 33 dit. Élevé par la gloire de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il a répondu comme vous le voyez, entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Donc c'est Jésus-là. C'est effectivement l'héritier de l'Ancien Testament. C'est lui que vous avez régné en pardonné, là. Mais c'est le Messie dont les Saintes Écritures avaient parlé. C'est le Messie en question. C'était qui? Mais Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Donc c'était cela, effectivement, que le peuple d'Israël devait savoir. Parce que quand vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, vous le placez où? Parce que la Trinité, il y a trois personnes, dans la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Évidemment, quand vous l'acceptez, vous les placez où? À la place de Dieu le Fils. En même temps, la Bible te dit que toi, il te dit ici, effectivement, que Dieu a fait Jésus Seigneur et Christ. C'est vrai, non? Alors maintenant, s'il est Seigneur, à quelle place allez-vous le placer? Parce qu'il ne peut pas y avoir deux Seigneurs. Amen. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Amen. Donc il est au-dessus de toutes choses. Amen. S'il est Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Manifesté dans la chair. Amen. Pour te sauver toi. Alors c'est pour ça la Bible dit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit te révèle. Il vient pour t'enseigner, te révéler effectivement que c'est Jésus qu'on voyait effectivement qu'on avait brisé. C'était Dieu dans la forme de l'homme. Amen. Le sauveur, quand on dit le sauveur, mais il n'y a qu'un seul sauveur. Amen. Le seul unique sauveur, c'est Dieu lui-même. Amen. Et c'est Jésus, effectivement. C'est Dieu, effectivement. C'est le Seigneur. Ainsi donc, nous disons, alors maintenant, nous l'avons accepté, nous, comme notre Seigneur et sauveur. Amen. Parce que nous savons qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et la Bible dit, sous les cieux, il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Amen. Parmi les hommes, par lesquels nous pouvons être sauvés. Amen. Si ce n'est au nom du Seigneur et son nom qui est Christ. Amen. Pas au nom de Yahvé, mais au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est absolument important que nous comprenions. Oui, c'est là. Dans la nouvelle alliance, c'est le nom de Jésus. Remarquez très bien. Et cela est important. Nous devons réaliser cela pour que nous puissions savoir en qui nous avons cru. L'apôtre Paul, vous vous souvenez effectivement comment il dit, moi, il parlait pendant des temps, il était pendant des temps enchaîné parce qu'on lui disait, mais cet homme l'a pris la raison. Il dit, non, mais vous me connaissez bien, combien je combattais ce nom de Jésus. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a fait mis à part les seins de ma mère, derrière moi son fils, oh là là, les choses ont changé. Il dit, je n'ai pas été consulté, les ceci ou les cela. Il dit, non, j'ai pris simplement le parchemin. Le parchemin, c'est la Torah, c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit, là, maintenant, j'ai été dans les déserts de la vie, j'ai commencé, le Saint-Esprit a commencé à m'instruire. Parce que la Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Alors là, maintenant, attendez là, ici, effectivement, il m'a montré, mais c'est Jésus en question, qui est du persécuté, effectivement, mais c'est Dieu lui-même. Alors, il dit, vas-y, parce que j'ai cru, maintenant, je parie, puis je peux croire, maintenant, je peux annoncer la bonne nouvelle. Alors, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, amen. Nous savons maintenant qu'il n'est, ce n'est pas la pénalité de la personne de la Trinité, mais c'est le Dieu Tout-Puissant, dans la forme d'un homme, effectivement, pour me sauver. Moi, ici, je vais reconnaître qui il est. Toi, mon frère, tu es censé pas le connaître. Si toi, tu es son disciple, et c'est vrai, regardez ceci, frère. Comment peux-tu être le disciple de quelqu'un que tu ne connais pas? C'est pas possible. Amen. Tu es dans le doute, dans l'incertitude. Tu ne peux pas être un disciple. Un disciple connaît son maître. Amen. Il connaît les habitudes, il connaît comment il est. C'est pourquoi, quand il les a appelés tous, ils marchent avec eux, ils ont vu les choses, et puis ils s'arrêtent à se faire les vues. Il est. Qui dites-vous donc que je suis dans le fils de l'homme? Vous suivez ça? Qui dites-vous donc que je suis dans le fils de l'homme?
La réponse était le disque, le disque, tu es. Certainement, c'est bon, ça. Les autres ont dit, parce qu'ils ne marchent pas avec moi, ils ne sont pas avec moi, ils me voient de loin. Mais vous qui vivez avec moi, vous qui chantez les cantiques tous les matins, tous les soirs, qu'est-ce que vous dites que je suis moi, le fils de l'homme? Frères et sœurs, ça, on n'apprend pas à l'école. Ça, on n'apprend pas à la genoux. Et la Bible dit effectivement que tous ces terres de l'église, et puis, c'est Pierre qui ouvre la bouche. Il dit, mais tu es le Christ. Amen. Le fils, il est vivant. Alléluia. Il est malade, mais Dieu est là. Simon, fils de l'homme, car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé ça. Non, ce n'est pas ton intelligence à toi, mais c'est mon Père qui t'a révélé ça. Amen. Donc la révélation vient du Seigneur lui-même. Amen. Il te révèle, toi qui es ses soeurs, qui es ses Jésus. Parce que tu vas recevoir quelqu'un que tu ne connais pas, première personne, et la première Trinité. Mais tu vas aller où, effectivement, parce que tu as un problème à ce moment-là. Mais maintenant que je sais qui il est, alors j'ai l'assurance que c'est lui que je possède. Vous suivez cela? Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce qu'il est le donateur de tout le monde, c'est là. Il est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu lui-même. Amen. Je sais que c'est Jésus en question. Il est vraiment le Seigneur du ciel et de la terre. Alors maintenant, il dit, donc, pour ce qui concerne l'avènement, parce que vous savez, quand vous connaissez la personne, vous êtes tellement dans la joie, comme mon frère, tout à l'heure, j'étais assis, que Dieu le bénisse. Vous savez, il me dit là, il me dit, oh frère, nous t'attendons avec beaucoup d'empressement. Touché dans mon cœur, parce qu'il me connaît. On se connaît. Et s'il ne me connaissait pas, il n'allait pas avoir d'empressement. Il me dit, mais quelle est donc cette personne qui va venir en fait? On ne s'est pas tellement traîné, il dit, bon, peut-être qu'il a parlé avec moi. Mais lui, parce qu'il me connaît. Alors il était dans la joie, il dit, je vais voir mon frère. Parce qu'on sait déjà, on se connaît. C'est la même chose avec les disciples. Ils doivent connaître le maître. Et celui Amen. Qui est avec le maître, mon maître à moi. Alléluia. Amen. C'est lui que vous connaissez. Donc nous soupirons, oui, qu'il revienne. L'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur. Amen. Et vous comprenez ça? L'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur. Parce que l'épouse est la partie du Christ. Amen. N'est-ce pas vrai? Donc c'est le mât qui souffrit après la tête. Donc pour notre Dieu, pour en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion. Amen. Donc nous sommes associés. Ça veut dire qu'il ne s'adresse pas aux païens ni aux soi-disant. Non, à ceux-là qui ont eu la grâce de parallèlement connaître qui est ce Seigneur et qui l'ont reçu et qui ont eu à pouvoir aussi être placés dans le corps. Parce que certainement, quand on parle de la réunion, ça veut dire que l'enlèvement. Vous connaissez cela, non? Comme les livres, vous savez cela, votre passage a enseigné cela. Donc, il s'agit effectivement de l'enlèvement, donc être enlevé avec lui. Amen. Et à qui est-ce qu'on s'adresse? Ce n'est pas au bébé, non, c'est aux hommes faits. Ah oui, certainement, c'est vrai. À ceux-là qui ont eu la connaissance de la chose, effectivement, et qui savent effectivement qu'il va venir. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce qu'il m'a dit, effectivement. Nous attendons effectivement ce Seigneur, et nous vérifions si nous sommes habillés comme lui l'a dit. Amen. Parce que dans l'Apocalypse, chapitre 9, il dit, son épouse s'est elle-même préparée. C'était donc parce qu'il dit qu'on lui a donné le matériel nécessaire pour pouvoir vraiment se vêtir. C'est vrai, non? Parce qu'il lui a été donné de se vêtir de fin laine éclatante. Pas de fin laine éclatante. Ce sont les œuvres justes des saints. C'est vrai, non? Donc, nous allons sanctifier. Placé dans le corps. Alors c'est là-dedans maintenant, oui, que nous attendons en réalité ces choses. Nous attendons effectivement la venue du Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la vie qui marche comme ça, qui dira, oui, il va venir pour qui? Pour toi qui es dans les boîtes de nuit, en train de pouvoir tirer les bouteilles de lumière à gauche, à droite, et puis quand tu es dans la maison, ouvre le frigo, c'est le whisky là, un peu effacé là-bas, puis il va venir pas pour toi. Non! Il va venir pour ceux qui se sanctifient. Amen. Il va venir pour ceux qui. Oh! Si je tire la bouteille de whisky, amen, je vais sortir les mains dans ma bouche. S'il revient aujourd'hui, avec la bouteille de whisky dans ma bouche, je vais partir. C'est pas possible, mon frère, tu ne partiras pas. Parce que Dieu ne va pas te lever dans la bouteille de verre. Non! Il enlève ceux qui sont sanctifiés. Il dit à lui, Seigneur, viens vérifier mon. Il vérifie effectivement, est-ce que je suis un homme? Parce que c'est cela en fait un véritable croyant. Comme David le dit, quand je dors, la nuit même mon cœur me sort.
Amen. Ce n'est pas qu'il dort, effectivement, il rêve de 6 millions. Vous savez, quand le taux passe, alors toi, tu lui gagnes les 13, 15 millions. Alors quand les frères dorment, 15 millions, 15 millions. Gardez seulement 15 millions. Il dort, il rêve le chiffre. Oh. Un fils de Dieu ne pense pas au loto. Oh. Lorsqu'il dort, son cœur le fait penser au Seigneur. Amen. Ça, c'est la vérité, frère et soeur. Pourquoi? Parce que, vous savez, le Seigneur dit, là où est ton cœur? Là aussi est ton trésor. Amen. Si ton cœur est entre les mains du Seigneur, que tu prends à lui, oh, tu sais que tout ce dont tu as besoin, il pourvoira. Amen. Il n'a pas besoin de l'autre. Ce que lui veut, c'est que toi veux davantage à lui. Mm. Et tout le reste, il prend soin. Amen. Il est considéré la liste des champs. C'est vrai ça. Mais Dieu lui-même prend soin, même les oiseaux du ciel. Il ne sert ni moi seul. Mais votre Père Céleste, effectivement, c'est soin. On prend soin d'eux. Amen. Et de votre raison, vous valez plus que les oiseaux d'ici. Non. Vous êtes aussi la réunion de Seigneur et notre réunion avec lui. Amen. Donc, nous comprenons maintenant effectivement qu'il s'agit de ceux-là qui ont eu à pouvoir avoir cette expérience avec le Seigneur, qui connaissent leur maître, effectivement, qui ne sont pas dans le flou, mais qui sont réellement dans l'attente avec assurance. Vous savez encore les disciples, ils disent, oh maître, maintenant que nous savons, nous reconnaissons que tu es sorti de Dieu, parce que tu nous parles si clairement. Jean chapitre 7. Vous savez encore? Vous l'avez pas encore lu? Jean chapitre 16. Si je me trompe pas. Jean chapitre 16. Verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ces jours, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, je suis dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui disent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs. Et Seigneur, vous savez, à ses disciples, à ceux-là qui se sont donnés davantage à lui, le Seigneur lui vient. C'est comme. Alors là, nous sommes rassemblés ici, nous écoutons la parole. Il y en a de ceux qui se disent, mais cet homme, qu'est-ce qu'il nous raconte? Dis-moi, il n'est pas là. C'est pas possible ça. Il y en a de ceux-là qui, pendant qu'ils sont assis, le Saint-Esprit développe encore dans leur cœur et dans leur esprit la parole que nous entendons. Les uns sont fâchés et critiques, les autres sont dans la joie. Mais oh Seigneur, mais gloire à toi, qu'est-ce que cela veut dire? Ce que la Bible dit que le Seigneur lui-même, vous savez, quand la Bible nous montre, effectivement, il dit, mais lorsqu'il était en foule, quand la foule venait, il parlait en parabole. C'est vrai? Vous savez cela? Donc c'est dit, hein? Matthieu chapitre 13. Et puis après avoir terminé par un parabole, les gens sont partis avec des idées, comme ça, qu'est-ce qu'il m'a voulu dire, je ne sais pas. Et puis, on voit les disciples qui s'approchent de lui. Il dit, maître, pourquoi leur parler de parabole? Il manque même de la compréhension aussi de ce que tu as dit. Vous savez, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce que la réponse que le maître lui a donnée? À vous! Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Amen. Mais à vous, oui. C'est pourquoi, voici ce qui veut dire, effectivement, la parole du Seigneur. Alors, il commence à leur faire comprendre les choses. C'est pour ça, si nous avons un cœur bien disposé, le Seigneur doit vous révéler sa parole. Amen. Il doit toucher votre cœur. Mais certainement, si vous êtes assis là et vous pensez à tel outil, à ceci, à cela, c'est normal que ça rentre ici, ça sort de notre côté. Et on sort comme on était rentré. Mais si nous disons, Seigneur notre Dieu, mais parle mon cœur, parle-moi aussi, on sortira d'ici différent. C'est sûr et certain. Parce qu'il n'a pas changé. Il parle encore au cœur. Alors, il continue de dire, alors, nous vous prions, frère. Voyez-vous, là, c'est encore clair. Ce n'est pas aux soi-disant élus. Il parle en fait aux frères, donc à ceux-là qui ont reçu le Seigneur, à ceux qui croient en son nom, pas aux soi-disant élus, aux saints.
au frère en Christ, aux sœurs en Christ, à ceux-là qui vivent réellement pour eux, peu importe ce que le monde peut arriver à pouvoir dire effectivement, mais ils sont tellement confiants dans le Seigneur. Et quand bien même on est en train de nous faire, oh, messieurs, mesdames et messieurs, c'est, vous savez, nous sommes dans une période de crise profonde. Et les problèmes de licenciement. Vous savez, quand on parle comme ça, crise, licenciement, on dort plus bien. Mmh. Tu peux dire, mais frère, crise, mais là, comment on va vivre? Licenciement, j'essaie d'être licencié à mon travail. Alors, c'est les cauchemars, c'est les soucis. Maintenant, c'est les calmants qu'il faut prendre pour pouvoir arriver à pouvoir maintenant s'établer, parce que sinon, les mains tremblent. Mais en fait, un fils de Dieu, on parle de crise, de licenciement, il est tranquille. Amen. Mais c'est la vérité, frère. Il est tranquille. Pourquoi? Parce que son assurance n'est pas dans les travails ou dans les clients. Il est en Christ. Amen. Ses lendemains sont assurés par le Seigneur. Amen. Quand nous avons confiance en Dieu, frère, tout ira très bien. Amen. Il prendra soin. Vous savez, frère, regardez bien. Quand la famille a servi effectivement là-bas en Israël pendant 3 ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé là? L'homme de Dieu, effectivement. Le prophète Élie, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que la famille s'est dit ça à gauche et à droite, cet homme de Dieu a été conduit vers un torrent. C'est vrai, non? Amen. La crise est tellement si puissante, mais l'homme était là assis. Les corbeaux apportaient la nourriture. Amen. Dieu prenait soin de son serviteur. Amen. Si toi tu sers Dieu, ma soeur, si toi tu sers Dieu, mon frère, effectivement, Dieu prendra soin de toi. Amen. C'est sûr et certain. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous avons été appelés par Dieu. Nous devons avoir la foi de croire que dans toutes les circonstances. Amen. Souvent, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on va la paniquer. Oh oui. Un fils de Dieu ne panique pas. Un fils de Dieu a toujours. Et Seigneur a dit que la paix. Amen. Amen. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Donc, dans chaque enfant de Dieu, c'est toujours la paix. Jamais la panique. Amen. La panique est pour les incroyants. Ils n'ont pas de Dieu. La Bible dit, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Amen. Il dit quoi? Invoque-moi dans ta détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Amen. Il n'a pas dit ça aux païens, mais il dit ça à toi. Amen. Ce qui montre que tu ne crois pas en Dieu, c'est tout le temps la panique. Un peu la panique. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va manger? Non! Les oiseaux du ciel, les salines de moisson. Tu leur prends soin. Amen. Regardez ceci, frère et soeur. Dans nos pays ici, qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a pas des choses dans tout ce qui est plus dit, qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux n'ont pas de nourriture. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il touche le cœur d'une dame la voici et va acheter des graines. Amen. C'est sûr et certain. Amen. Vous pouvez démolir de ne pas voir les gens à côté d'eux. Mais les gens vont acheter des graines dans le marché pour s'aider pour les oiseaux. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Dieu. Amen. S'il prend soin des oiseaux, à cause de nous, toi, un fils de Dieu, Dieu ne peut-il pas prendre soin des toi? Oh non, frère. Il faut que nous réalisions la grâce que Dieu nous a accordée. On n'a pas fait comme le fleuri, on est des fils de Dieu. Croyant que Dieu est capable, dans toutes les circonstances, il pourra toujours pour ton besoin. Mais si tu ne crois pas, alors c'est normal que, effectivement, tu passes par toutes ces choses-là. Parce que l'incrédulité être simplement l'incrédule. Mais le Fils de Dieu, celui qui croit, il avance. Alors il nous dit ici, que Dieu soit béni. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre sang. Comprenez ça. Donc, un fils de Dieu doit toujours être dans l'assurance, savoir s'attendre au Seigneur. Effectivement, que, oui, Seigneur, telle chose arrive, mais qu'en est-il, effectivement? Et accorde-moi la grâce parce que le Seigneur se révèle toujours à celui qui le cherche. Qui le cherche et dit, si vous me cherchez tout votre cœur, vous savez, toutes ces paroles-là ne sont pas écrites pour que ça fasse la bonne musique dans nos oreilles, qu'on vient, on chante, et puis à ce moment-là, on appelle sa conscience. Oui, j'ai été quand même dimanche à l'assemblée le matin, Dieu s'est béni, on a chanté les cantiques, et puis on a entendu des beaux chants, et puis on est parti. Et en fait, ce n'est pas les chants que Dieu cherche. Dieu te cherche toi, et par sa parole, il veut que tu entends. Et que tu gardes ta parole effectivement dans ton cœur, parce que quand tu sortiras, les épreuves vont t'attendre à l'extérieur. La parole que tu as reçue maintenant, elle va maintenant, il va pas agir en toi comme un bouclier. Amen. Parce que si tu as la foi dans cette parole, le prince qui viendra ne trouvera effectivement une personne bien assise. La Bible dit quoi? Résister à Satan une fois fait. Amen. Et qu'est-ce qu'il va? Il va danser avec vous? Non. Il va fuir. Amen. Amen. C'est sûr et certain, frère. Il va fuir parce qu'il faut le résister. Quand pour le résister, il faut avoir une base sur laquelle tu te positionnes. Je ne vais pas les critiquer.
Parce que la foi s'approche de la parole de Dieu. Regardez bien, regardez les cas d'Abraham. Si vous êtes Abraham, il se lève le matin, il a le salarié. Oh, Sarah va pas, tu vas voir un bébé. Il pouvait rester là pendant 180 ans, ça n'allait même pas accoucher. Il dit, je crois de tout mon cœur, tu vas voir un bébé. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas une parole de promesse. Il fallait d'abord qu'il reçoive la parole. Elle me dit, Sarah, ma femme, que l'issue de la vie passe, Dieu enfantera. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole de Dieu. Dieu m'a dit à moi que Sarah, ta femme, aura un fils. Dans la foi à quelque chose. Sur quoi s'accrocher? C'est pour ça que Dieu veut vous parler. Dieu veut que vous employiez sa parole. Et si maintenant votre foi n'est-ce qu'on est, vous allez dire que c'était difficile, la foi, c'est quoi? Ah! La Bible dit! Alors tu t'accroches à cela, tu as la victoire. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu, la puissance de pouvoir transformer, pas ton imagination, pas ta piété à toi, mais la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne vient pas le matin pour faire présence, on vient parce qu'on veut écouter. On vient parce qu'on veut prêter attention. On vient parce qu'on veut recevoir de la part du Seigneur. Parce qu'on dit, Seigneur, notre Dieu, je veux avoir quelque chose qui m'aiderait à m'accrocher davantage à toi. À pouvoir te servir, effectivement, c'est sûr et certain. C'est-à-dire, votre attention, si ce matin, mon frère ici, bien-aimé, vous auriez annoncé ici que nous avons notre bien-aimé frère qui vient, c'est un précieux frère. Alors ce frère-là, bon, quand chaque fois qu'il est dans l'église, tous les membres qui sont là, il a toujours un chèque de 10 000 euros. Donc chaque membre qui est dans l'église, effectivement, parce que le Seigneur a fait beaucoup de moyens. Alors il vient avec sa valise, là, parfois des billets de carton. Je suis sûr et certain que tous seraient attentifs à la parole. Vous voyez, comme ça, il voit qu'il est. Et quand on n'a pas 10 000 euros, bon, qui termine vite quand même. Bon, qui termine vite parce que j'ai encore les travails, je dois m'étonner. C'est sûr et certain. Mais cette parole est plus que 10 000 euros. Amen. Amen. N'oubliez jamais ça. Ça vaut plus que tout ce que vous voulez faire grave. Parce que vous ne savez pas ce que l'homme demain vous réserve. Qui vous dit que demain vous vivrez? Vous pouvez rentrer chez vous à la maison, renoncer sur les lits. C'est parti. Qui va vous réveiller? C'est votre argent? Ça va rester sur les comptes. Et qui va les prendre? C'est le gouvernement. C'est sûr et certain. Tu as souffert pendant 60 ans de travailler, affamé. Oh, même les mains qui souffrent, effectivement, tu vas arriver à la pension. Mais la pension, tu es parti avant la pension. Qui va avoir cet argent-là? Les gouvernements. Réfléchissez, frères. Il faut avoir ton trésor là-haut. Hein. Amen. Amen. Donne du temps au Seigneur. À la télévision, on peut rester là-bas pendant 8 heures. Filmer. Oui, c'est vrai. Pendant 8 heures. Mais pour 1h30 de la parole de Dieu. On commence à. Bon, et Simon, pasteur, j'avais rendez-vous à 13h juste. Et comme maintenant le pasteur, bon, tu viens voir quand tu l'avais invité, je pars. Mais c'était un film de télévision, on n'aurait même pas l'excuse. On resterait là totalement. En fait, voilà, le Seigneur dit, ne vous laissez pas ébranler facilement dans votre bassin. Soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait de venir de nous, comme si les jours de Christ étaient déjà là. Amen. Alors là, comprenez bien que ici, là, on s'adresse à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont eu la grâce de pouvoir entrer dans les choses de Dieu, qui savent que le Seigneur doit revenir. Et quand on parle du jour de Christ, ils doivent savoir de quoi s'agit. Et vous remarquez ici, cet homme dit, comme si le jour de Christ était déjà là. Et en fait, si nous regardons bien, nous posons la question, est-ce que dans quel temps nous sommes? Et c'est là la chose qui est importante pour nous aujourd'hui. En fait, pour nous qui avons reçu la grâce de connaître les choses, nous devons réaliser une chose, que le jour du Seigneur n'est pas encore là. Nous ne sommes pas dans le jour du Seigneur. Ah, vous dites, mes frères, là, c'est quand même bizarre, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, regardez très bien. Il nous dit ici, faites attention. Il dit, comme si le jour de Christ était déjà là. Qu'est-ce que c'est que le jour du Seigneur? Regardez très bien, pour que nous puissions d'abord nous savoir où est-ce que nous en sommes. Dans ces temps où nous vivons, si nous sommes rassemblés ici, c'est parce qu'il y a un événement qui s'est passé.
N'est-ce pas vrai? Amen. La Bible dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et quelle est la promesse qui va avec cette parole de Zacharie? C'est la monachie. Regardez très bien. Regardez la monachie. Malachie. Zacharie, ça fait. Après Zacharie, vous avez effectivement Malachie. Malachie, ça fait 4. Regardez très bien. Malachie 4, je vous dis. Malachie 4, verset 5. Je vous dis. Voici, 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 je vous enverrai Élie le prophète. Quand? Quand? Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Pas pendant le jour de Christ. Non, avant que ce jour. Avant que ce jour ne puisse arriver, alors la Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'il y a un jour qui doit venir. Et la Bible nous montre effectivement clairement de prêter une attention. Il dit, avant que ce jour, ça c'est les jours, avant que ce jour ici n'arrive, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que ce jour, il est fini. Donc, il dit, avant que le jour de l'Éternel arrive, vous voyez bien, ce jour grand, on redoutable. Amen. Amen. Et c'est vrai ça. Avant que ce jour-là arrive, il nous envoie en fait un message, et avant aussi une parole, effectivement, avec un prophète avant ce jour. Pourquoi? Et la Bible dit, pour ramener le cœur d'ici, pour ramener le cœur des enfants à leur père. Avant que ce jour-là n'arrive. Donc nous ne sommes pas dans ce jour. Comprenez très bien, c'est d'une importance capitale. Pour vous et avec eux, parce que, bien-aimés frères et sœurs, nous qui avons reçu la parole de Dieu pour ce point ici, nous ne devons pas prendre les choses de Dieu à la légère. Nous serons sévèrement jugés. Et ça, c'est une chose qui est très importante pour nous, que nous sachions, parce que c'est une grâce extraordinaire que Dieu nous a réellement accordé. Nous vivons avant le jour du Seigneur. Et avant que ce jour ne puisse venir. Et quand Dieu apparaît cela, si un prophète est envoyé avec un message, c'est que ce jour est proche. Et ce jour va réellement venir. Je sais que vous connaissez cela. Faites attention à ça. Et Dieu te bénisse, c'est vrai. Donc avant que ce jour ne vienne, effectivement, nous ne sommes pas dans ce jour-là. Mais avant que ces jours ne viennent, parce que, qu'est-ce que la Bible dit? Ces jours, comment sera-t-il? La Bible dit, c'est un jour redoutable. N'est-ce pas vrai? Amen. Ah oui, c'est sûr, c'est vrai. Pour que tu tombes, regardez, Dieu est tellement si bon. Alléluia. Regardez cela. Non, tu es un lycéen. Pardon, frère, il faut que tu me dises à quel âge je dois arrêter, parce que je ne vais pas tenir longtemps. Dans cette vie, oui, dans ça que je vais. Mais je vais dire simplement une écriture. Oui, je vais arrêter aussi. Merci, frère. Mais je vais dire quand même. Regardez ici. Merci, frère, pour le temps. Dans les deux qui sont ici, nous mangeons. Là, regardez très bien. Ici, prêtez bien attention. Merci. Deux, je vais dire encore. Et ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre sens, ne pas vous laisser troubler. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore, dans certaines écritures de l'Éphèse, mais dans certaines écritures, cet homme, l'apôtre Paul, nous dit, il y a déjà des gens qui enseignent que la résurrection a déjà eu lieu, et ceci, et cela, ainsi. Vous vous souvenez encore de ça? Et ces nombres sont éménés, ainsi. Et tu vois, c'est là. Alors, vous savez, il faut que chaque chose soit placé juste à sa place, pour que nous puissions avoir le tableau exact du Seigneur. En fait, que nous sachions où est-ce que nous sommes, comme cet homme de Dieu pouvait prêcher en disant, « Messieurs, quelle heure est-il ?» Amen. Il faut que vous sachiez quelle heure il est pour que l'empressement s'y mette encore dans la préparation. Le peuple de Dieu ne peut pas être un peuple qui marche comme quelqu'un qui est le ténèbre, effectivement. Alors que les saintes écritures disent que
Moi, le Seigneur Dieu, le bon berger qui les fait sortir, je marche devant eux, n'est-ce pas? Pour les conduire. Alors, si le Seigneur nous conduit, nous ne sommes plus dans la ténèbre. Nous sommes, nous marchons dans la lumière. Je vais aller vite, je vais me prendre. Parce que regardez très bien, c'est là ce que l'Écriture nous dit ici. Regardez très bien ici. Dans 1 Samuel chapitre 5. Regardez très bien. Pour que nous comprenions ce genre de choses, mais on n'a pas beaucoup de temps. Regardez. Chapitre 5, la misère, effectivement, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous avait dit. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Vous savez ça? Quand les hommes diront péché, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, personne ne sait quand le voleur viendra. Parce qu'il ne va pas vous dire, oh madame, justement, je veux venir chez vous voler à 4h50 du matin. Ça, c'est lui en colère. Non, et voilà, il ne vous prévient pas. Pendant que Mme Giston dort bien tranquillement, elle appuie sur son somnifère, lui, il vient avec ses tourneris calmement dans la nuit. C'est comme cela, en fait. Il dit, mais le jour du Seigneur, il a comme un voleur dans la nuit. Ah oui, lorsque personne ne sait, en fait. Il est, vous savez, les entre dans la tournée, il a un projet, il a un programme avec des saisies. Cela, il dit, c'est à ce moment-là qu'il se la viendra. Il dit, mais pour vous, frère. Amen. Pour vous, frère. Gloire à Dieu. Faites ouvrir quelqu'un vos oreilles et vos yeux. Il dit, écoutez bien, verset 4. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, ce sont des joies. C'est sûr et certain. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Lorsque la lumière est prise, effectivement, nous marcherons sur la lumière. Amen. C'est sûr et certain. Parce que nous voyons comment ça se passe. Nous comprenons effectivement que voici les temps. Et le Seigneur agit. Et ça, c'est absolument nécessaire. Et parce que pourquoi? Parce que c'est tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Il nous éclaire, la maison, nous continuons ici. Donc, il dit que personne d'autre soit par quelques paroles ou par quelques on dirait venir de nous, comme si les jours de Christ étaient. Déjà là. Amen. Alors, il nous montre effectivement, nous, votre attention ici, s'il vous plaît, il nous montre effectivement, nous, effectivement, comment nous pouvons être dans la source. Et les choses que les uns peuvent dire, effectivement, ne peuvent pas nous imposer. Et comment est-ce qu'on peut arriver à pouvoir avoir cette assurance que là, ce n'est pas la chose de Dieu, la chose de Dieu est ainsi. Parce que tout ce que Dieu a dit suit toujours un programme que le Seigneur a établi depuis le temps ancien. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici. Vous vous souvenez encore de les Saintes Écritures? Regardez très bien, frères et sœurs. Et pourtant, c'était dit clairement dans la parole de Dieu. De quelle manière le Messie allait venir? Vous vous souvenez? La Bible disait clairement que voici une vierge concept. Elle verra enceinte et enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. N'est-ce pas vrai? Amen. Vous remarquez très bien, frère, tous lisent cela, tous savent cela, effectivement. Mais quand le Seigneur est venu et qu'il n'a dit, effectivement, qui avait connu ça? Qui avait connu ça? C'était comme vous savez. Ils savaient, ils lisaient. Les arbres, c'est ceci. Mais quand l'Écriture, en fait, l'Écriture s'est accomplie exactement. Amen. La manière dont le Seigneur l'a dit, je termine pour dire, elle est très bien. Même quand Marie est tombée enceinte, c'était où? À Jérusalem. Et il est effectivement fait accoucher, parce que Marie pensait simplement qu'elle accouchait à Jérusalem. Mais la Bible avait dit quoi? Ô toi, Bethléem Ephrathah. Amen. 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 Même à la 9e veillée du mois, Dieu devait l'amener là-bas à Bethléem. Amen. Amen. Parce que l'Écriture avait dit Bethléem. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, frères et sœurs, nous devons observer la parole de Dieu. Et avoir l'assurance, effectivement, dans les choses que Dieu a déjà annoncées d'avance, pour que nous puissions avoir la vision des tableaux, effectivement, pour que notre foi soit affermie dans ce que Dieu a dit, et non pas dans ce que les hommes ont dit. La Bible dit, avant, il est à vous, mais il dit, pour que ces jours-là, avant que ces jours-là ne viennent, il faut d'abord qu'il y ait quoi? L'apostasie. Amen. Tu sais, sans l'apostasie, il n'y a pas ces jours qui viendront, donc il faudra qu'il y ait l'abandon total de la parole de Dieu. Frère, nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Mais regardez,
êtes-vous dans votre marche? Le jour où vous avez cru effectivement la parole de Dieu et que le message vous avez reçu, quelle vie vous meniez? Vous avez la crainte de vous appliquer, frère. Mais maintenant, vous avez changé la parole de Dieu. Au lieu que vous vous adaptiez à la parole de Dieu, la parole, ça doit s'adapter à vous. C'est vrai. C'est l'apostasie. L'abandon en face de la parole de Dieu. Non, pas beaucoup. L'abandon de la parole de Dieu. Venez, mes frères et sœurs. Nous devons nous examiner. Sincèrement, frères et sœurs, ne jouez pas aux chrétiens. Ne jouez pas aux. Vous dites, bon, j'ai pas l'église, c'est suffisant. J'ai cru au message, c'est suffisant. C'est une très bonne chose. Mais le message n'a jamais sauvé personne. C'est Christ qui sauve. Et la vie de Christ étant en toi, cela témoigne que tu es un fils de Dieu. Une fille de Dieu. C'est cette vie en fait en nous qui manifeste que nous sommes certainement des fils et des filles de Dieu. Et la parole de Dieu nous a été accordée à grâce de pouvoir la recevoir afin que nous servions ici. Dévoilons. Alléluia. Amen. Amen.
bénisse, le bien-aimé. Amen. Cette terre, toute chose de nous fait, je vous recommande entre les mains du Seigneur. Dieu vous bénisse. Saluez-vous d'un saint baiser, comme l'avons proposé. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur sur chacun de vous. Nous vous aimons. Amen. Nous vous aimons en Jésus-Christ. Ah, je vais prendre un.